Et yo les Babtours, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pêche à l'aimant. Et aujourd'hui on est de retour à l'endroit où on était la dernière fois pour l'avant-dernière vidéo, où on avait trouvé justement un carter de voiture, etc. Et la dernière fois, comme vous avez pu le voir, on avait perdu mon aimant bulldog. Et heureusement la maison de la détection m'en a renvoyé un, hein. Et franchement merci à eux, parce que sans eux on pourrait pas refaire une vidéo aujourd'hui avec Tibouchon, parce qu'on avait Tibouchon, c'est lui qui tient la caméra et qui aujourd'hui va m'accompagner pour cette pêche à l'aimant. On aura chacun un aimant du coup. Un maximum de likes à la fin de la vidéo si t'as kiffé. Nous c'est parti. Il fait beau, il fait bon, mais bon, il fait un peu froid parce qu'il y a un peu de vent du nord quand même. On va pas se le cacher. C'est parti, let's go. Eh, hey, ça va, on est au soleil, tranquille. Bon, c'est parti, on va mettre les gants, on va prendre l'aimant qui est ici et on va commencer le try. Donc comme vous pouvez le voir ici, il y a un espèce de port où il y a des espèces de péniches. On va pouvoir lancer ici qui a un creux, en fait ça fait un creux. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et en plus je crois que c'est en pierre, donc let's go, tant mieux, c'est de la pierre, c'est pas de la fer. Prends ton aimant, c'est parti, on va voir qui va ressortir le plus de choses. Non, tout le monde sait que c'est toi, ouais, ok. C'est vrai que la dernière fois c'était toi. C'est vrai que la dernière fois c'était toi, faut le dire. Bon, après c'est le spot, hein, les gars. C'est vrai, c'est vrai. Bon, allez, à tout de suite. Bon, premier lancé. T'as croqué quelque chose là? J'ai quelque chose, ciseaux. Mais non, allez là, let's go. Tu glisses dessus là? Ouais, mais c'est grand. C'est grand, mais tu glisses dessus? J'ai une carrette. C'est une carrette. Putain, j'en peux plus de lui, les gars. Ah, moi aussi, je tire quelque chose là. Mec. Oh, j'ai quelque chose, gros. Mais mec, ça bouge pas, moi. Oh, j'ai quelque chose. Si, je crois que j'ai quelque chose, gros. Je crois que j'ai quelque chose pour le premier. Oh non, j'ai rien en fait. Possesse. Oh si, j'ai un hameçon, super. T'es coincé? Oh attends, je vais t'aider. Putain, ah, ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'il a? Oh, j'ai un truc énorme. Ah ouais? Attends, je vais t'aider, au pire je vais lancer mon aimant sur non, toi. Non, t'inquiète, il revient. J'ai un truc énorme. Non, je suis en train de le perdre, non. Qu'est-ce que c'est que ça? Un vélo. Mais quoi? Mais... attends, je vais t'aider. Vas-y, il est lourd le bâtard. Yeah. Un vélo, mec. Allez, hop. Tu peux y aller là, vas-y. Tu fais le tour de France avec. Bim. Hey mec, ta première trouvaille, c'est un vélo. Je suis mort. Bah écoute, j'en avais pas. C'est un peu Noël en avance. Bon bah nickel, hein. Ta première trouvaille, un vélo, mec. Franchement, GG quand même, hein. On fera un petit point sur ce vélo après avec la grosse caméra pour vous montrer un peu son état. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une boîte de thon, Tizot. C'est une boîte de thon. Regarde en dessous. Ah ouais, c'est une boîte de thon, salade de thon. Super, yes. Pleine et pleine de moules. Super, ça a une boîte de thon. Bon bah après le vélo, la boîte de thon quoi. Je crois qu'il y a un poisson, il veut qu'on vous donne à manger. Il est là, il arrête pas de venir. Je sais pas si vous pouvez le voir là. Depuis tout à l'heure, je sens un truc que je dévase, mais j'arrive pas à enlever. Petit bouchon, il est un peu plus loin lui. De toute façon, petit à petit, on va aller vers... vers l'embouchure. Ah, je suis en train de le tirer là. Ah non, faut pas que ça lâche. Lâche pas. Non. Oula, des beaux bouts de fer. Au moins, ça prouve qu'il y a de la pollution, quoi. C'est un beau bout de fer. Hop là. Petit hameçon là. Comme vous pouvez le voir, avec le petit plomb. T'as une barre? Attends, vas-y, j'arrive. Attends, j'arrive, je viens t'aider. Tu vois? Ouais, c'est une belle barre. Ouais, je dis. Ah non, rechoppe là, je vais la choper. Vas-y. What the fuck? Je sais pas ce que c'est, mec. C'est une énorme barre de fer, quoi. Ah ouais, on dirait un... Tu sais, les fils de... Les fils de fer, là. Tu sais, pour les matiens. Ouais, je vois, ouais. Pour les armatures. Je veux dire, pour les armatures, ouais. Ouais. Ouais, c'est un fil de fer pour armature. Ouais, peut-être un ancien bout de pont ou... Bah bravo, belle dépollution, quand même, tu vois. Voilà. C'est toi qui gagne pour l'instant. Parce que moi, avec ma boîte de thon saupiqué, là... Écologie 100%. Hey, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas du tout ce que c'est. Ça doit être un opercule de quelque chose. Aussi notre première truc de bière, et c'est quoi d'après toi? C'est quoi? C'est jaune avec un aigle, enfin une espèce Green Bergen. Ouais, 100%. Ouais, c'est ça. Yeah. Putain, mais t'es un alcoolique, c'est fou ça. Fais voir, mets-toi de l'autre côté. Ça, c'est un dérailleur de vélo, non? Je sais pas ce que c'est, les gars. Je compte sur vous pour lui dire ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est, mec. Ça pourrait être un dérailleur de vélo. Dit, ou... Ouais, c'est une partie de vélo, je pense. Hein. Je pense que ouais, c'est une partie de vélo. Ah, t'as une capsule aussi? Yeah.
C'est quoi? C'est quoi ça? De le binouze. Et c'est quoi comme binouze? Je sais pas, de la binouze de brasso. On voit le houblon et le blé, hein. Bah ouais. Et ça, je sais pas ce que c'est, ouais, ça doit être un dérailleur ou une connerie du genre. Ouais. Dites-le nous dans les commentaires si vous savez ce que c'est. T'as chopé un fil de pêche avec une cuillère, vas-y, amène, nous le montrer. Ah bah, une magnifique cuillère, ouais, les gars. Belle. Une belle cuillère que t'as chopé, ouais. Et moi aussi, je crois que j'ai un truc, attends, je vais le choper. Regarde ça, mec. Oh, yeah. Yeah. Alors, on a quoi cette fois-ci? On a. C'est un petit bout de bâton, genre. C'est un plomb en forme de bout de bâton, je crois. Ouais. Je sais pas trop ce que c'est, mais en tout cas, c'est grave stylé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et si vous connaissez ce genre de plomb. En tout cas, c'est grave, grave stylé. Hein. Putain, qu'est-ce qu'on a comme matos de pêche là? Donc, qu'est-ce qu'on a? Nous, c'est pas une charnière, c'est quoi? What the fuck? Oh! Un leurre de pêche! Yeah. Magnifique leurre de pêche! Et vraiment stylé de ouf quoi! Il est vraiment beau, hein! C'est un des plus beaux leurres que j'ai pu avoir pour l'instant. C'est un leurre de marque Spro. Spro! Voilà. Et ben franchement, un magnifique leurre, je suis super content. Qu'est-ce que t'as trouvé? Amène-le nous, amène-le nous. Putain, c'est ça, c'est une bonne journée, les gars, aujourd'hui. Je suis content. Qu'est-ce que tu nous as... What? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une arme de gladiateur. C'est une arme de gladiateur? Ah ouais. Qu'est-ce que c'est que ton truc, là? C'est sûrement sur un bateau, ça, je sais pas trop quoi. Bah ouais, c'est sûrement ouais, sur un bateau, ouais. C'est une chaîne avec... Avec une barre. Avec une barre, ouais, fais voir. Vous voyez, là, on a la barre. Ici, et là on a la chaîne qui fait le reste quoi. C'est pour fouetter les gens. C'est pour fouetter les gens, ouais, c'est ça. Tiens, esclave, yes. Va travailler. Yes. Allez, des bonnes trouvailles. Ça serait bien qu'ils lâchent une voiture là, la péniche. Là, vous voyez la péniche, ils ont des voitures, tout simplement qu'ils en lâchent une là. Comme ça on fait une vidéo, je chope une voiture. Bon, ça va être un peu compliqué, mais. Je vais chercher quelque chose. T'as chopé quoi? Une chaîne toute pourrie. Ouais. Montre-nous ça. Ah oui, c'est vraiment une chaîne toute pourrie. Voilà, voilà. Super. Super. Bon, on va peut-être choper les suites de, d'un vélo là, une voiture. Vas-y. Un bateau, je sais pas. Du coup là on va faire quelques trails ici, mais comme vous pouvez le voir, la terre est gelée. C'est le pôle Nord, le Nord. Bim. C'est gamin. J'en ai vu des gamins dans ma vie, mais putain. Je dirais qu'on aurait eu dans la neige là, ce gros caillou dégueulasse là. Honnêtement il fait trop froid, on va se remettre au soleil là parce que... Ah ouais, c'est tout gelé là, on va aller au soleil direct là. Bon du coup là on est à l'endroit où on a trouvé le vélo, on va aller un peu plus loin, on va longer la berge et on viendra ici pour faire l'outro avec le vélo. Je sais pas si on va trouver des trucs là-bas mais en tout cas c'est parti, j'espère que ça va être cool. Vers là-bas on a testé, du coup il y a vraiment rien donc vraiment on s'éloigne plus vers la droite. Bon pour l'instant on trail un peu plus sur la droite mais rien du tout, là ça a vraiment très propre. On va continuer à longer de toute façon. Quoi qu'il arrive, jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose. Parce que là, regardez mon aimant, il ressort absolument tout neuf. Bon, bon, on va faire un résumé vite fait. On se décale un peu sur la droite et c'est une catastrophe parce que je viens d'accrocher mon aimant sur la rambarde en fer là. Et depuis tout à l'heure, elle est vraiment bien accrochée. D'habitude, on la décroche facilement, mais là, c'est vraiment bien accroché. Et le soleil est en train de tomber. J'espère qu'on va encore looter un petit peu avant la fin de la vidéo. C'est bon. On l'a récupéré, putain. Que ça a été compliqué, hein. On va éviter de le raccrocher sur le rebord, hein. Une énorme barre! Et regardez la péniche qui passe. Ah ouais, c'est encore un câble. Ouais, un câble électrique là, genre ça ressemble à des câbles électriques quoi. Un peu, une cathédère. Ouais. Putain, c'est le deuxième que tu chopes là aujourd'hui. Regarde, il est complètement décédé je crois. Vas-y, je le sors pas de l'eau, hein, c'est dégueulasse. Pauvre oiseau, rest in peace, my friend. On va t'appeler Patrick. Rip in peace, Patrick. Qu'est-ce que t'as pensé de cette pêche à l'aimant aujourd'hui? Cette fois-ci, c'était bien. Comment dire? On a remonté pas mal de stuff, du coup, c'est cool. C'est on a le temps avec nous, on a le soleil. Mais d'abord, montre-nous ta plus grosse trouvaille pour aujourd'hui. Enfin, toi, ce que t'as estimé de ta plus grosse trouvaille. C'est en effet ce vélo. Incroyable! First try, on remonte le vélo. Un vélo qui a l'air d'être là depuis bien longtemps parce que. Bah, je sais pas pour vous, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire, mais vu la grandeur du vélo, c'est un vélo pour enfants, je pense. Ouais, je pense que c'est un vélo pour enfants. Ouais, et en on fait. Peut voir que bah, le modèle de selle et de guidon, ça ressemble à de l'ancien modèle, du coup n'hésitez pas à. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, ouais. Voilà, sinon c'est vachement cool de remonter un truc comme ça qui a l'air là depuis longtemps. Surtout que tu l'as remonté dès le premier try, quoi. Ouais. Beaucoup de chance. C'est vrai. Du coup, c'est sympa. Dites-nous ce que vous en pensez de ce vélo. On a le petit lard aussi à côté que j'ai trouvé, moi. Et dites-nous un peu ce que vous pensez de ce vélo.
Est-ce qu'il l'a depuis longtemps? Ouais, je pense qu'il l'a depuis longtemps, mais est-ce que c'est un vieux vélo, un vélo d'enfant, comme on dit? Je sais pas du tout. Dites-le nous dans les commentaires. En tout cas, c'est ta première grosse trouvaille en pêche à l'aimant. Est-ce qu'on continue les pêches à l'aimant ensemble? Oui. Ok. Carrément. Bon, du coup, les frérots, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Moi, franchement, j'ai surkiffé la sortie d'aujourd'hui. On a trouvé plein de trucs comme du stuff de pêche. Vous avez vu les leurres qui sont vraiment stylés. D'ailleurs, je sais que certains voudraient que je leur envoie. N'hésitez pas à me le dire par mail, d'accord? Envoyez-moi votre adresse. Et si jamais vraiment je suis dans un bon jour, je vous l'envoie, d'accord? Mais en tout cas, je vais le garder. Le vélo, franchement. On n'en avait pas trouvé mieux à part sur la Seine quand on était allé à Paris. Aujourd'hui on en trouve un éclaté. Et franchement ça pouvait vraiment que faire plaisir de trouver, de faire de la dépollution comme ça aujourd'hui. J'ai vraiment kiffé. J'espère que vous aussi. Un maximum de likes comme d'habitude. On se retrouve samedi prochain 16h. Peace.